Salut à tous, des batteries pour les vacances, des batteries externes. Voici ce petit tuto qui va vous montrer tout sur les batteries externes. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour vous annoncer aussi qu'on a atteint les 2000 abonnés. On est même à 2013 abonnés. Alors, je tenais vraiment à vous remercier. Car c'est vous, en tant qu'abonné, qui faites vivre ma chaîne. C'est grâce à vous que j'ai envie de continuer cette aventure. Alors je tenais par cette vidéo tout d'abord à vous remercier. Vraiment vous dire merci de votre confiance. J'espère pouvoir aider encore beaucoup de gens par les démonstrations, les tutos. Voilà donc pour les remerciements. Je tiens vraiment à vous dire merci à vous, mes abonnés, de faire vivre ma chaîne. Les vacances qui arrivent, je voulais vous dire que ne partez plus sans votre batterie externe. Car aujourd'hui, on a tous un smartphone, une tablette, une montre tactile, éventuellement une montre connectée. Donc, obligatoirement, on doit les recharger. Et je voulais vous parler, moi, d'une petite batterie qui me suit partout. Ça fait un petit moment que je l'avais, mais je voulais vous la présenter. Une batterie externe qui me sert énormément lors de mes déplacements, car cette batterie, on en trouve vraiment aujourd'hui partout. On en trouve de tous les genres. Alors moi, celle-ci, elle a une particularité. On va avoir deux ports. Vous allez pouvoir en trouver avec trois ports. Donc, un côté va être plus efficace que l'autre. Donc, un qui va être à 2,1 ampères. Et un qui va être à 1 ampère. Donc un côté pour les smartphones, un côté pour les tablettes. Cette batterie-là est de 7000 mAh. Ça veut dire qu'avec ce genre de batterie, on est capable, par exemple, de recharger jusqu'à 7 fois un iPhone 7 Plus. Ce qui n'est pas trop négligeable. Donc ça veut dire que si vous savez que vous allez, pendant vos vacances, dans un endroit et que malheureusement vous avez oublié de charger votre smartphone en général, car bien sûr ces batteries que l'on trouve de tout genre, de toute couleur, eh bien va être d'une grande utilité. Dans celle-ci, ce que j'apprécie, vous allez voir que on va brancher les deux câbles de chaque côté. Ici, je branche mon premier câble du Samsung S8 et ici le câble de l'iPhone. On va donc brancher dans un premier temps le Samsung, voici, et dans un second temps l'iPhone. Voilà, on a branché nos deux smartphones. Et comme vous voyez, ils sont branchés, mais on a un bouton juste au-dessus de cette batterie. En appuyant dessus, chargement début, 16h. Charge, 85% entièrement chargé dans environ 29 minutes. Voilà nos deux smartphones qui sont partis à charger. Et ici, sur cette batterie, alors comme beaucoup d'autres, hein, on peut voir un gros bouton au-dessus clignoter vert. Et au fur et à mesure que la charge de la batterie diminuera, on tombera dans le bleu, puis dans le rouge. Vous allez tenir 2 jours, 3 jours, suivant votre utilisation, entre votre tablette et votre smartphone. Je vous fais cette présentation par rapport aux vacances pour que vous puissiez penser à vous prendre une petite batterie de recharge pour jamais manquer d'énergie. Et d'ailleurs, je vous souhaite aussi, par la même occasion, pour ceux qui partent en vacances ou pour ceux qui m'écoutent et qui sont en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Je vous remercie à vous encore énormément, tous mes abonnés, de faire vivre ma chaîne. Je vous dis, passez de bonnes vacances. Si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à penser à prendre votre petite batterie pour charger vos tablettes et vos smartphones. Bonnes vacances à tous. Encore un grand merci à vous de faire vivre cette chaîne. A bientôt pour la prochaine. De nouvelles vidéos, dont une sur le DeX du Galaxy S8. Comment transformer son smartphone en ordinateur. Allez, je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !